Hello, hello mes abonnés, j'ai 12 millions de sur ma chaîne de Cristal. Donc aujourd'hui, ça va être un haul Amazon. Amazon, et je vais vous expliquer des choses. Voilà. Donc déjà, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'Amazon. Amazon, je sais qu'il n'y a pas que moi qui ai des problèmes sur Amazon. Voilà, donc j'ai poussé un petit coup de gueule sur Amazon. Voilà. Amazon, il devrait mieux regarder en France. Voilà. Et avec qui ils font des partenariats, ou je sais pas, bref, ou des choses avec eux là. Parce que des fois ils disent, ouais, c'est pas nous, mais c'est un autre vendeur, un autre vendeur particulier qui est fait, donc je vais lui envoyer un message quand même, vas-y. Voilà. Et là, je m'en fous, moi. Parce que ce que je vais vous montrer là, je vais pas m'en servir puisque j'ai pas la machine maintenant. Là, je vais vous raconter tout et je vais tout vous expliquer. Voilà. Alors, Amazon, il commence vraiment à me gonfler. Je peux vous montrer. Et ça va m'énerver encore plus. Voilà. En fait, j'ai passé une grosse commande. La moitié de la commande, je l'ai reçue aujourd'hui. Et l'autre moitié de la commande. Je peux vous dire, ça fait deux fois que je passe des commandes. Alors, des fois, il y a des produits qu'ils arrivent le lendemain. Donc, c'est très cool parce que j'en avais super besoin assez vite. Et voilà. Bref, c'est pas ça le problème. Et mon problème, c'est. J'ai des produits là que je vais vous montrer, que je ne pourrais pas m'en servir pour l'instant, puisque j'ai pas la machine. Voilà. Donc en fait, quand j'avais commandé une plastifieuse, une belle plastifieuse, hein, presque 50 balles. Hein. Je crois qu'elle m'a coûté, je ne sais plus, 40 et quelques, bref. Eh ben non. Je suis dans la merde totale. J'en ai marre d'eux, d'Amazon. Voilà. Là, le message que j'ai reçu hier, c'était bah, votre colis est peut-être perdu. Elle a envoyé un message au vendeur. Voilà, je lui dis, moi, je vais pas remboursement. Je lui dis, moi, je veux mon colis. Ça veut dire la plastifieuse. Voilà. Bref, ça me saoule énormément. Parce que là, je peux rien faire. Tout est en attente. Voilà. Et j'aime pas. Comment vous dire ça? J'aime pas. Voilà. Donc, je pousse mon coup de gueule. Là, en plus, il n'y a pas que moi qui ai eu des problèmes sur Amazon. Il y a des gens aussi que je connais aussi qui ont eu des problèmes sur Amazon aussi. Voilà. C'est génial, hein? On a des problèmes avec Amazon. Bon bref, je vais commencer le haul Amazon, sinon on va jamais se terminer. Voilà. Donc j'ai commandé un lot de 100 feuilles plastifieuses en format A5, parce que j'ai besoin que du format A5 moi, voilà. Parce que je me suis dit que dans ma plastifieuse, j'en aurais un petit peu, mais j'en aurais pas beaucoup, puisque normalement, je dois avoir tous les formats qu'il y a marqués sur la plastifieuse. Puisque c'est une plastifieuse que j'avais commandée avec plusieurs formats. Donc il veut dire format A4, A5, A6, je crois, ou A7, je sais plus, bref, un truc comme ça. Voilà. Donc. Bah, j'ai commandé un paquet de feuilles pour plastifier. Voilà. Et que bah, j'ai pas la machine, donc je ne peux pas m'en servir. Ensuite, j'ai commandé un lot de 100 feuilles cartonnées blanches. Voilà, puisque j'ai besoin de ça pour ma plastifieuse aussi. Voilà, pour faire un projet. Voilà, donc ça va commencer un peu à m'énerver. Voilà, mais ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mon projet à faire mon truc. Et après, quand j'aurai ma plastifieuse, bah, je ferai le restant. Voilà. Attendez 2 secondes. Donc voilà quoi. Donc les deux produits là que je viens de montrer, je peux pas m'en servir. Voilà. Puisque j'ai pas de plastifieuse. Donc pour l'instant, je peux me servir que des feuilles bleues, que des feuilles, mais pas le restant. J'ai commandé aussi pour mon classeur bleu là. A5. Et je viens de me rendre compte que c'est pas les. J'aurais dû regarder à l'avance. C'est pas les bonnes feuilles. J'ai pas les bonnes. Je suis désolée, mais j'ai pas. Ça, faudra que je leur envoie. Malheureusement, je me rends compte que les trous qu'il y a là, il n'y a que 4 trous. Au moins, c'est un 6 trous qu'il me faut. Donc, je vais voir si ça marche. Ça marche pas. Je leur envoie. Voilà, parce que j'ai pas fait gaffe que c'était pas les bonnes. Ah non, j'avais pris d'intercalaire de l'autre, d'intercalaire de 6. Pour mes classeurs A5. Voilà. Et je viens de me rendre compte qu'il n'y a que 4 trous alors que moi il me faut un 6 trous. On va voir si ça va fonctionner ou pas. Si ça va pas fonctionner, je leur enverrai. Bref, voilà. Ensuite, j'ai commandé une gomme comme ça. Donc je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, mettez-moi en commentaire. Est-ce qu'il faut des piles là-dedans?
Ah, il marque gomme électrique, cet élément gomme qui est fait avec rapidité et précision d'un outil très particulier pour tout article, le bouton, mais ils disent pas est-ce qu'il faut des piles ou pas, donc dites-moi en commentaire ce que je sais pas. Non, je vais regarder s'il faut des piles, ben, je mettrai des piles, mais bon, ça il le disait pas. Donc j'ai pris une gomme électrique, parce que j'ai besoin d'une gomme électrique, voilà. Ça, c'est des recharges de gomme. Voilà, là ils ont mis un peu là, mais je me suis dit c'est mieux que j'en prends un petit paquet. Voilà. Et ce que je vous ai pas montré là, que j'ai pas reçu aujourd'hui, mais j'ai reçu la dernière fois. Attendez, je vais vous regarder là. Il était là le machin, maintenant il est plus là le machin. Il est parti au pôle nord ou au pôle sud. Attendez que je regarde. Est-ce que j'avais mis là? Et vous savez, on met tellement d'affaires ici qu'à la fin du compte, on n'arrive plus à se retrouver. Bon, bref, attendez 2 secondes. C'est bon, j'ai retrouvé mon article. Donc, c'était une gomme comme ça, la dernière fois que j'avais commandé sur Amazon, 1 € et quelques, voilà. C'est une gomme Faber-Castell, elle est noire, voilà. Et c'est une gomme qui ne laisse pas de traces. C'est ça que j'ai vu marquer, qu'elle ne laisse pas de traces. Et je crois qu'elle efface tout. Je crois les stylos, les machins, je crois tout, voilà. Et c'est pas une gomme comme une gomme normale. Voilà. C'est une gomme spéciale. Donc je dis, tiens, je vais la prendre à 1 € et quelques. J'ai dit, je vais la prendre, je vais tester, puis on verra bien. Voilà quoi. Donc je vous ai montré tous mes articles là, que j'ai reçus d'aujourd'hui et de la dernière fois. Voilà, mais j'allais pas vous faire un haul juste pour une gomme. Ça serait un peu ridicule. Voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et de vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous, mettez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Sur ce, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Crystal.